Bonjour, bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une tarte au chocolat. Alors, cette version de tarte au chocolat, c'est vraiment la mienne. Ce sont en fait des recettes que j'ai faites, que j'ai reprises sur Internet, Cookidoo, Cookomix, etc., etc. Et aussi d'autres livres de cuisine que j'ai à la maison. Et j'ai pris vraiment tous les conseils et toutes les quantités, les proportions qui, à moi, me plaisaient le plus. Alors, petite précision avant de commencer, aujourd'hui, on va utiliser un Thermomix. J'ai choisi le Thermomix parce que pour moi, c'était l'appareil qui était le plus facile dans ce cas-ci. Parce que vous allez voir, la première étape, c'est de faire le sucre impalpable soi-même pour ne pas devoir l'acheter dans le commerce. Alors, pour ce qui est du sucre impalpable, c'est vraiment le seul robot qui le fait aussi bien. Monsieur Cuisine Connect le fait aussi, mais de manière un peu moins fine, un peu moins poudreuse. Le Cooking Chef ne le fait pas, donc si vous voulez le faire avec le Cooking Chef, cette recette est possible avec le Cooking Chef, y compris aussi avec le K-Cook, mais je vous conseille pour ces deux appareils-là donc de faire le sucre impalpable pas vous-même, c'est-à-dire de l'acheter dans le commerce. Deuxième remarque, vous pouvez faire donc cette recette avec le Monsieur Cuisine Connect et les autres, mais je vous conseille fortement de réduire les quantités pour la pâte par deux, c'est-à-dire de travailler en deux fois, parce que vous allez approcher, voire atteindre les quantités maximales de farine dans l'appareil. Après, ce n'est qu'un conseil et on me dira que ça fonctionne aussi très bien en une fois. Mais comme moi j'ai une chaîne YouTube et que je tiens à tous mes appareils, je ne vais jamais trop jusqu'aux limites des appareils que j'utilise. Donc voilà, ceci dit, on va pouvoir commencer la recette. Dans un premier temps, je vous présente les ingrédients. On a donc 100 g de sucre semoule ou sucre en poudre, 200 g de beurre demi-sel coupé en morceaux et aussi en réserver un petit peu pour votre moule. On aura 370 g de farine de blé et un peu pour fariner le moule à nouveau et un œuf. La farine, moi j'utilise la farine T45 comme d'habitude. La T55 fonctionne très bien pour cette recette aussi. L'œuf, j'ai pris un œuf de qualité correcte. Je n'ai pas pris d'un œuf bio, mais en tout cas, il est de taille moyenne, donc à peu près 60 grammes. Ceci dit, on va pouvoir commencer par la première étape. La première étape, c'est assez simple. On va mettre le sucre dans le bol. C'est ici qu'on va faire notre sucre impalpable, c'est-à-dire qu'on va donc mixer 15 secondes, 0 degré, vitesse 10. Mon petit conseil à moi, ma petite astuce, c'est de laisser reposer cette poudre à peu près 1 minute. Pourquoi? Parce que le sucre impalpable qu'on fait avec le Thermomix est très très fin. Donc si vous ouvrez maintenant votre couvercle, vous allez en avoir qui va s'évaporer, donc vous allez en perdre. Et en pâtisserie, les quantités sont importantes. Donc voilà, je laisse reposer mon appareil à peu près 1 minute pour éviter donc qu'il y ait trop cette perte à l'ouverture du couvercle. Voilà, pendant la minute de repos, pour gagner du temps, on casse déjà notre œuf qu'on va utiliser à l'étape suivante. La minute de repos est désormais finie. On va pouvoir maintenant ouvrir le couvercle. Voyez, on obtient un beau sucre impalpable. Alors pour le faire tomber, très simple. Et si ça ne tombe pas comme ici, ça a un peu collé. À mon avis, mon bol est encore un tout petit peu humide après lavage. Je vais prendre une spatule et le faire descendre. Maintenant, il est venu le temps donc de mettre le beurre, la farine et l'œuf. Le beurre doit être bien froid et coupé en morceaux pour aider votre appareil. N'ayez pas peur, si vous le faites avec le Thermomix, les morceaux peuvent être gros, mais au moins coupez-le quand même en morceaux
pour que directement ça prenne bien. Alors, en fonction de la taille de vos morceaux, vous allez pouvoir travailler à peu près 30 secondes, vitesse 5 et évidemment pas de température. Si vraiment votre beurre est très très dur ou que vous avez fait des très très gros morceaux, vous pouvez mettre directement 45 secondes. Donc moi, je vais mettre 30 secondes, 0 degré, vitesse 5. Nous allons maintenant racler le bol et relancer encore 15 secondes, vitesse 5. Vous voyez, la pâte est déjà presque faite, c'est-à-dire qu'elle colle déjà bien. On obtient vraiment une pâte sablée. Donc, 15 secondes, vitesse 5. Alors voici ce qu'on obtient. On a une belle pâte sablée. Donc maintenant le but c'est de faire une boule et alors de la mettre au frigo pour la prise au froid. Alors pour sortir la pâte du bol, c'est très simple, hein, c'est l'astuce typique chez Thermomix. On va faire gauche-droite au-dessus du bol, donc en tournant l'axe manuellement donc avec les mains pour faire descendre la pâte. Pour le restant, on va prendre donc la spatule et le dégager aussi. Le but maintenant, donc, c'est de former une boule. Cette boule, on l'aplatit légèrement. Et après, on va donc filmer la boule légèrement aplatie et la mettre au réfrigérateur au moins 30 minutes pour une bonne prise au froid. Je vous propose de lancer le mode nettoyage et préparer votre platine à tarte. Comme je viens de faire, pour préparer la platine, on va d'abord la beurrer et ensuite on va légèrement la fariner et enlever l'excédent de farine avant d'y poser notre pâte dessus. Petite astuce pour une pâte encore plus chocolat, n'hésitez pas à y intégrer des copeaux de chocolat vraiment finement coupés au Thermomix. Donc là, vous mettez quelques morceaux de chocolat dans le Thermomix, vous mettez à peu près 10 secondes sur vitesse 7, vous aurez des petits copeaux, des petits granules de chocolat. C'est vraiment délicieux. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire, mais c'est vraiment une astuce que j'utilise souvent. Donc des petits copeaux de chocolat au Thermomix intégrés dans la pâte au moment où on la baisse. Comme ça, vous avez vraiment donc vous-même avec le rouleau, vous abaissez la pâte et vous mettez les copeaux de chocolat dedans. Pendant que notre pâte prend au froid, nous avons donc lavé le Thermomix avec la fonction rinçage. On a préparé une surface de travail pour préparer donc pour aplatir, abaisser la pâte. Avant toute chose, je vais vous proposer de vous présenter un instrument que j'utilise maintenant depuis quelque temps. C'est le rouleau à pâtisserie Tescoma. On en trouve aussi sur Amazon ou autre, ou sur le webshop Thermomix, c'est là où je l'ai trouvé personnellement. Et donc vous avez au bout de ce rouleau à pâtisserie des petites bagues que vous mettez pour avoir donc un abaissement parfait et régulier de votre pâte. C'est vraiment très pratique. Et ce rouleau est léger et donc facile à nettoyer parce qu'il est en plastique. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est le rouleau Tescoma. Et par ailleurs, on va travailler sur une plaque, un tapis à pâtisserie, que j'ai trouvé ça sur Amazon pour 4-5 euros, c'est très facile.
parce qu'il y a un rond autour. Il y a un cercle qui donc indique le diamètre que vous êtes en train de travailler. Donc grâce à ce diamètre, vous pouvez un petit peu tricher, entre guillemets, c'est-à-dire vous pouvez abaisser votre pas de manière vraiment bien ronde, bien régulière, avant de la mettre dans un moule. Ceci dit, on va pouvoir continuer. Donc pendant que notre pâte prend au froid et pendant que notre four préchauffe à 180 degrés, donc important, mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Donc on va pouvoir maintenant continuer notre préparation. On va pouvoir avancer déjà à l'étape suivante qui va être la fameuse crème au chocolat. Alors pour la crème au chocolat, je vous propose d'utiliser les ingrédients suivants. 30 centilitres de crème liquide entière ou au moins 30% de matière grasse. 250 g de chocolat noir, de préférence 70% de cacao si vous en avez. Un œuf entier et 75 g de sucre semoule. Donc première étape, on va faire chauffer la crème liquide. Donc le but, c'est de faire monter cette crème en température. Donc on va mettre 8 minutes, 90 degrés. Donc le but, c'est qu'elle arrive presque à ébullition, mais qu'elle ne soit quand même pas trop trop chaude. On est parti pour 8 minutes, 90 degrés. Et on va mettre en vitesse 3 pour éviter donc que ça déborde et pour avoir un bon mouvement dans l'appareil. Pendant que la crème cuit, pour rappel, vous aurez évidemment la recette sur le blog comme d'habitude. Vous avez les renseignements en début et en fin de vidéo pour avoir l'adresse du blog. Voilà, pendant que notre crème chauffe, on va pouvoir maintenant regarder, voir notre pâte, si elle a bien pris au frais. On a dépassé les 30 minutes. Parfois, je mets jusqu'à 1 heure, voire 2 heures de prise au froid. Maintenant, je vais voir après 30 minutes ce que ça donne. Comme je vous expliquais juste avant, j'ai un tapis de travail, un tapis de pâtisserie, assez sympathique dans le sens où on a des marquages de diamètre. Donc ce que je viens toujours faire, c'est positionner ma platine et voir combien de centimètres de diamètre j'ai besoin pour ma pâte. Ici, je dois aller jusqu'à 30 cm parce qu'avec le rebord, donc j'ai besoin de 30 cm. Notre pâte est maintenant dans le moule, on va venir la piquer. Ensuite, on pose une feuille de papier sulfurisé dessus. Et dessus, on pose des haricots secs ou alors des billes de cuisson. N'hésitez pas à bien en mettre. Et maintenant, donc, on va faire cuire à 180 degrés 10 minutes. Voilà notre crème à chauffer. Elle est juste à bonne température. On va mettre le chocolat. Et maintenant, on poursuit. 1 minute 30, 0 degrés, vitesse 3. On va découvrir ensemble ce que ça donne. Voilà, notre chocolat a bien fondu avec la crème. Vous voyez, ça a bien fondu avec la crème.
Maintenant, on ajoute le sucre. Notre œuf entier. Et on relance 1 minute 30, vitesse 3. Voilà, notre crème de chocolat est désormais prête. Il n'y a plus qu'à la mettre sur la pâte dès qu'elle aura donc cuit 10 minutes à 180 degrés. Évidemment, d'abord, on vient venir retirer les haricots secs. On vient maintenant poser sur la pâte la crème au chocolat. Donc nous allons d'abord baisser la température du four à 150 degrés. Et maintenant, on va venir remettre notre tarte dans le four pour 20 minutes à 150 degrés. Petite information, ce n'est pas dans le four que le chocolat et la crème de chocolat va prendre sa consistance définitive. Donc ce qui est important ici, c'est de remettre donc 20 minutes au four pour que la pâte cuise. Le moment où la consistance va réellement être obtenue, c'est dans le réfrigérateur. Donc, quelle est l'étape suivante? Donc, à nouveau, on termine la cuisson 150 degrés pendant 20 minutes. Et alors, ensuite, on va d'abord laisser refroidir hors du réfrigérateur. Et quand votre tarte aura refroidi hors du réfrigérateur, vraiment quand elle est bien froide, j'insiste bien là-dessus, sinon vous allez abîmer votre réfrigérateur, vous allez la remettre au réfrigérateur pendant encore une heure environ pour que le chocolat prenne une bonne consistance. Une fois ceci fait, eh ben, il n'y a plus qu'à déguster. Je profite de la cuisson donc de la tarte au four pour vous souhaiter en tout cas un très bon appétit. Je vous mettrai la photo comme d'habitude de la tarte en fin de cuisson. Je vous remercie beaucoup pour tous vos encouragements, vos likes et vos abonnements. N'hésitez pas, le petit pouce, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à continuer à commenter les vidéos pour m'aider, me permettre de continuer à évoluer. Donc voilà, je vous remercie beaucoup encore pour tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et surtout un bon appétit. Bye bye!